Sogo y arrivera jamais. J'en peux plus. Moi non plus. J'ai chaud. J'ai mal au bras. Comment ça se fait que c'est dur de même? Hey, les filles. Qu'est-ce que vous faites, là? Ben, ça se voit, non? Ben... Creuse notre propre trou. Rose avait de la misère à marcher, puis Laurent, elle avait le genou tout magané. C'était super que ça.
l'équipe est déjà à moitié estropiée. Qu'est-ce que ça va être demain? On va se retrouver en sang. T'exagères. C'est pas parce qu'on va jouer contre des gars qu'il faut se mettre à agir comme eux. On gagnera absolument rien en faisant ça. C'est quoi le problème? T'as peur qu'on perde? J'ai pas peur qu'on perde. J'ai peur qu'on se fasse massacrer. Bon, je pense que t'as pas à t'inquiéter pour ça. Ça sera pas si pire. Mais, je le dis, il n'y en aura pas de massacre. OK. Laurent finit par là, son père puis elle s'en vient. Comment ça va, ta jambe? Oh, super! Ça n'a jamais été mieux. Tu devrais rentrer chez vous et mettre un sac de petits pots congés dessus. Ouais, ça aide. Ben oui. Me faire pogner par Samuel en train de faire ça? Non, merci. Depuis ce matin, il est redevenu insupportable avec le match. Pas question que je donne la satisfaction de me voir de même. Non. Bon, Dolly, fais ça vite, là. Mon père m'attend pour aller vivre. OK. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut garder confiance pour le match de demain. J'ai confiance. Ce que je veux dire, Rose, c'est que vous êtes mes deux meilleures joueuses. Ça va rassurer les filles si vous faites un effort particulier pour avoir l'air solide. Ouais. C'est pas facile d'avoir l'air solide quand on est raqué à mort, hein? Mais non, justement. On sent mieux nos muscles quand on est raqué. Moi, j'adore ça. Puis même que ça aide à mieux jouer. Tu joues mieux quand t'as de la misère à marcher, toi? Vous avez vraiment de la misère à marcher? Non, non. Elle exagère pour faire pitié. Pardon? Est-ce que t'es en train de me traiter de faker? Hey, stop! C'est exactement de ça dont je veux parler, les filles. On est toutes nerveuses pour le match de demain. Ça nous rend un peu raides. Mais faites un effort pour l'équipe, au moins. Est-ce que ma bête est venue me voir ce matin parce que vous y avez fait peur? Là, elle est sûre qu'on va perdre puis dans tous ses états. Est-ce que t'es sûre que t'as bien compris? Parce que nous, quand on l'a vu, ce qui l'inquiétait, c'était surtout son audition. Quelle audition, là? Elle m'a pas parlé d'audition, moi. Elle m'a dit qu'elle avait peur qu'on se fasse massacrer. Ben, elle parlait pas d'un massacre sportif, Dali. Elle a peur de s'égratigner les genoux. Parce qu'elle a peut-être une audition de crème. De crème? De crème glacée? Même pas. De crème pour peau sèche. Abel veut jouer dans une annonce de crème pour peau sèche. Pour vrai? Une niaiserie de même, ça s'invente juste pas. Diego? Diego, est-ce que t'as vu Samuel? Non, je pense qu'il est chez lui. Ah, mais tu peux faire l'affaire, je pense. Même mieux, peut-être. Parce que c'est ton père qui couche tes pics? Ouais. Okay, tu commences à être un peu nerveuse pour le match de demain? Oui. Oui? Ouais. Je suis pas aveugle. Je vous ai déjà vu jouer. Ouais. C'est vrai qu'on est bon cette année. Mais inquiétez-vous pas, vous avez encore des chances. Non, mais ce qui m'inquiète, c'est de savoir quelle stratégie vous allez adopter durant le match. Ah, ben là, ça, je peux vraiment pas te donner le plan de match d'avance, là. Non, 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 je parle pas de plan de match. Je parle de votre façon de jouer. Parce que, tu sais, on est des filles, hein. Oui, ça, je le sais, ben. Mais est-ce que vous allez faire attention à nous autres ou est-ce qu'on va se ramasser avec les genoux ensemble et des bleus partout? Mais là, on n'est pas des brutes dégénérées. Non, mais prends pas ça de même. Tout ce que je dis, c'est que vous jouez vraiment plus agressivement que nous autres. Peut-être, mais y a jamais personne qui s'est fait faire. Parce que vous avez l'habitude de jouer entre vous autres. Je pense que vous mesurez pas votre force, puis... Yeah. Quand Dali puis Rose jouaient dans les piques, là, elles se sont jamais plaintes. Ben oui, mais c'est pas pour rien que j'ai jamais le goût de m'inscrire dans une équipe de gars. Moi, j'aime ça quand ça joue en douceur, puis quand c'est civilisé. OK, je peux te promettre quelque chose. C'est sûr qu'on n'a pas l'intention d'aller se battre sur le terrain, là. Promis? Ouais, ça, c'est sûr. Puis, tu vas en parler aux autres gars? Mais là, les autres gars... Oh, s'il te plaît, Diego, là. Ce serait vraiment cool de ta part. J'ai vraiment peur pour mes tibias. OK, OK. Oh, merci, Diego. Merci. T'as promis quoi? Juste qu'on allait faire attention un petit peu. Ça veut dire quoi, ça? Est-ce qu'à s'attendre à ce qu'on vienne jouer en pantoufle, qu'on amène un ballon en mousse, qu'on sécurise les bords du terrain avec des coussins en plumes? Non, non, juste, elle veut pas avoir des bleus partout. On peut pas garantir ça, Diego. Des accidents, ça arrive, puis il n'est pas question que je change ma façon de jouer juste parce que c'est des filles. Non, je te demande pas de changer ta façon de jouer. Je te dis juste d'y aller mollo un peu. Elle voulait un match contre des gars, c'est ça qu'elles vont avoir. Si on se met à se ramollir exprès, c'est de la triche. Ce match-là est pour le fun, Michael. Si on les massacre, on va juste les mettre à dos, puis on gagnera absolument rien dans cette histoire-là. Ça compte même pas dans ton petit classement. C'est pas une raison pour se laisser battre. T'es-tu bouché ou quoi, là?
je te demande pas de les laisser gagner. Salut les gars. Est-ce que vous avez vu Abeille? Oui, je l'ai vu tout à l'heure. Oui, il l'a vu et il a promis qu'on allait vous laisser gagner. Hein? C'est quoi cette histoire-là? J'ai juste dit qu'on allait y aller un petit peu, mollo. Vous jouez comme d'habitude. On veut un vrai match. Bon, tu vois, pense comme moi, tous les matchs comptent. Tous les matchs comptent, même ceux qui comptent pas. Tant qu'organiser un match, on joue pour gagner. C'est quoi le but de se rendre sur le terrain sinon? Hey, Michael, tu parles comme s'il n'y avait pas d'autre raison de jouer au soccer. Ouais, d'autres raisons comme quoi? S'amuser peut-être? Oui, parce que toi, ce qui t'amuse, Diego, c'est de perdre. Ok, sauf que c'est toi ce matin qui me disais que c'était pas grave de perdre. C'était juste un match amical. C'est correct de perdre pour l'unique, mais pas pour les pics, par exemple. C'est pas ça! Juste que tant qu'à jouer en match, on en joue un pour vrai. Ouais, ben un match que tu vas absolument gagner. Ah, parce que tu nous considères comme des vrais adversaires. Mais exactement. Puis c'est pour ça que je veux pas qu'on se mette à faire plein de compromis. Vous jouez comme si vous étiez n'importe quelle autre équipe de gars, puis on vous fera pas de cadeaux. Waouh. C'est pas ça que tu veux? Oui. Bon, mais c'est ça. Mais compte sur moi pour vous le donner, ce match-là. Quand je vais embarquer sur le terrain, là, ça va être comme si on jouait contre les crampons. On va charger à fond. Ok, c'est correct. Je pense que j'ai compris le principe. Je vous laisse, là. Je vais chercher l'abeille. Comment dire, Miguel, là? J'ai déjà connu des ours enragés qui savaient mieux s'y prendre avec les filles. Ce que t'as pas l'air de comprendre, c'est qu'en allant parler à Diego, tu viens de donner un avantage à l'épique. Maintenant qu'ils savent que t'as peur de te blesser, ils vont en profiter, c'est sûr. Non. Diego était super compréhensif, puis il m'a même trouvé. Oui, Diego, peut-être. Samuel, tu l'as pas vu se vanter ce matin? Il est sûr de gagner. Je peux te garantir qu'il renoncera pas à ça juste pour te faire plaisir. Non, oui, mais il y a pas juste Samuel dans l'équipe. Diego va être capable de convaincre les autres. Les convaincre de quoi? On est trop faibles pour jouer contre eux? Mais non. Maintenant, là, même si on compte plus de buts qu'eux autres, ils vont pouvoir dire qu'ils nous ont laissé gagner. Ça ne nous sert même plus à rien de jouer, de toute façon. Ils vont se moquer de nous autres pour le reste de nos jours. Tu viens de tout gâcher, Abeille. Tu pensais juste à toi et à ton audition de crème pour ma tante. Oh, puis en plus de ça, là, tu sauras que toutes tes imperfections de la peau se cachent aisément sous ce fontaine qualité. Et calme-toi. Toute son histoire de blessure puis de crème hydratante, c'est juste une excuse pour pas avouer qu'elle a peur. Si t'avais plus envie de jouer, t'avais rien qu'à dire. T'avais pas de faire à embarquer toute l'équipe dans ton désastre. Est-ce que tu veux Abeille? Il faut que je parle avant qu'elle fasse encore plus de dommages. Oublie ça, c'est trop tard. Tous les dommages possibles ont déjà été faits. J'ai jamais vu ça, une fille aussi dans le champ. Est-ce que tu sais ce qu'elle fait en ce moment? Non. Elle est contente! Elle saute de joie! Elle se trouve super d'avoir convaincu les gars qu'on est trop poche pour jouer contre eux. C'est pas vraiment ça. Oui, mais c'est ça le résultat pareil. Mon équipe de handball s'éparpille jamais même avant un match. Je vais parler à Abeille. Ça changera rien. Ça m'enlève complètement le goût de jouer. Hey, wow, Laurent, tu peux pas nous lâcher de même. J'ai pas l'intention de vous lâcher. T'es même mélodramatique tout d'un coup. Tu te tiens trop avec Béa. J'ai juste besoin d'aller respirer un peu pour pas péter ma coche puis engueuler Abeille à mort. Hey, oublie pas, on a une réunion d'équipe à 5h. Une réunion d'équipe. Est-ce que je suis invité? Robert, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas censé être à Québec, toi? Ah oui, mais je suis revenu avec un ami au lieu d'attendre l'autobus. Mais je suis contente que tu sois là. Ça va mal. Ah, laisse-moi deviner. Les filles se chicanent, il y en a qui veulent lâcher, d'autres qui trouvent que tu fais pas une bonne capitaine? À peu près ça. Comment t'as deviné? Oh, c'est assez commun, ça, quand une équipe fait face à un match important. Ça veut juste dire qu'elles ont de la misère à supporter la pression. Mais c'est pas grave, Dali, hein? Faut juste leur parler, trouver les bons mots pour leur donner confiance. Fait que tu vas être là tantôt? Tu vas pouvoir arranger ça? Ben, je pourrais, mais je pense que ce serait mieux si c'est toi qui le faisais. Oh, non, non. J'ai déjà essayé, puis ça marche pas. Je veux juste empirer les choses. Non, je suis sûr que non. Dali, c'est ta job de capitaine. Je sais que t'es capable de la faire. Moi, je vais être là demain, avant puis pendant le match. Tu veux pas m'aider? T'en as pas besoin. J'ai confiance en toi. Hein? Tu vas être capable de motiver nos troupes. Tu vas surtout leur montrer que t'es une grande capitaine. Oui. Allez. Allez. Bonne chance. Merci. T'es capable. Laurent peut te faire la morale sur ton esprit d'équipe. C'est parce que t'es tombé bas en maudit. C'est pas ça. Non. Je le vois maintenant. J'ai tout fait ça pour mes petites raisons personnelles. J'ai pas pensé à vous autres. Ouais. Bon, mais ça sert à rien de ruminer ça. C'est fait, c'est fait. Maintenant, il faut trouver un moyen d'arranger ça. Thank you.
que j'essaie de rassembler mes idées avant d'aller parler à l'équipe. Est-ce que je peux t'aider? Si, c'est en tant que chum, oui. Parce que disons que j'ai pas vraiment envie de parler avec un joueur de l'épique en ce moment. Compris. Explique-moi. L'équipe est en train de se désintégrer sous mes yeux. C'est à cause du match de demain, je pense. Il faut que je trouve quoi dire pour arranger ça. J'ai vu Reda dans le corridor. Il est revenu plus tôt que prévu, tu pourras peut-être aller le voir, c'est sa spécialité, les discours de vestiaire. Déjà fait. Mais il dit que c'est plutôt la job du capitaine de remonter le moral des troupes. Ouais, c'est vrai que c'est son genre de penser ça. Il dit que c'est normal que les filles capotent. C'est juste qu'elles ont un petit peu de misère à supporter la pression. Ouais, mais ça, fallait s'y attendre. Hein. Elles sont pas folles. Elles savent que vos chances sont... minces. Non, mais c'est sûr que plus le match approche, plus elles vont se dégonfler. Mais c'est compréhensible. C'est plus l'épreuve est loin, plus c'est facile d'avoir du courage, mais plus le grand jour approche, plus c'est dur de garder ses illusions. Et ça m'aide pas du tout ce que tu me dis là. J'essaie de te parler de capitaine à ex-capitaine. Tu fais juste me rappeler qu'on va perdre. Mais tu pourrais m'aider au lieu de me démolir le moral. Je sais pas quoi te dire, David. J'ai jamais été capitaine d'une équipe de filles, moi. Et ça change que ce soit des filles. Ça revient au même. Ben non, justement, les gars, on aime ça, la compétition. Tu ne verras jamais me décourager parce qu'on a peur de perdre. Regarde, essaye pas de me faire croire que vous avez jamais eu peur de perdre. Mais on a presque toujours peur de perdre. Ce que je veux dire, c'est que plus on sait que ça va être dur, plus on aime ça. Plus c'est inégal, plus on donne tout ce qu'on a. Tout contre des filles, dans le fond. On peut toujours faire semblant, mais tu vois bien que c'est pas comme ça qu'elles réagissent. Moi, ce que je vois, c'est que pour un gars qui est censé m'aimer, tu penses pas bien même pour le montrer. Hey, Dani, décide, là. Je pensais que tu voulais qu'on parle de capitaine à ex-capitaine. Si on continue à jouer comme on l'a fait dans les derniers mois, qu'on va réussir à battre les gars demain. Ouais. Super bien dit, Dani. Ben, moi, je trouve ça plate d'avoir à dire ça, mais je pense pas que ça va être aussi facile. Surtout après ce qui s'est passé aujourd'hui. Hey! J'ai déjà dit que je m'excusais. Oui. Je dis pas que ça va être facile de gagner. Je dis juste que ça va être possible. Si on joue bien. C'est possible. C'est pas super encourageant ton affaire, Dali. Qu'est-ce que tu veux que je vous dise, Laurent? Je veux pas me mettre à vous mentir pour vous dire que c'est sûr qu'on va gagner. Puis à part de ça, depuis quand faut être certaine de gagner pour avoir envie de jouer? C'est vraiment poche à mort comme attitude, ça, les filles. Hein? Je commence à trouver que les gars avaient raison. On est vraiment une bande de poules mouillées. Mais là, il me semble que... c'est juste naturel de vouloir avoir une chance. Ah ouais? Mais comment ça se fait que les gars, eux autres, plus la compétition est forte, mieux ils jouent. Ils demandent pas de garantie, eux autres. Dali, c'est parce que t'es censé nous encourager, là. Pour nous vanter les mérites des gars, pour nous rappeler qu'ils sont meilleurs que nous autres. Et ne décourage pas, les filles. Écoutez la donne, le Charlie. Mais viens nous dire comment gagner. Ben là, je pense que j'en ai manqué un bout, moi, là. Mais viens de le dire. Si les gars jouent mieux quand il y a de la compétition, ben nous, on va leur enlever ça. Quoi, ça? La compétition. On va leur faire croire qu'ils n'ont absolument rien à craindre contre nous autres. Je dirais qu'après le beau travail que fait Abeille aujourd'hui, ce sera pas trop difficile. Justement. On va servir de ce qu'Abeille est allé leur dire, et on va en mettre encore plus. Après ça, ils vont tellement être sur deux qu'ils vont se mettre à mal jouer. On leur donne l'impression que la victoire est dans la poche. Comme ça, ils s'assoient sur leur laurier, ils deviennent paresseux. Puis au moment où s'y attendent le moins, bam! On les prend par surprise, on donne tout ce qu'on a, puis... on gagne? On gagne. Ben oui, mais les gars sont pas si naïfs. Ils vont nous voir venir à 100 000 à l'heure. Pas sûr de ça, moi. Puis je sais exactement quoi faire pour que ça marche. C'est quoi? Avant de vous le dire... je veux être sûre que tout le monde soit prêt à embarquer à 100%. Okay. Parfait. C'est par toi que tout va passer, Rose. Parfait. Ce qu'on va faire, les filles, c'est... un autre entraînement. Mais voyons donc, c'est quoi ça? C'est tellement raclé ce matin. Hey, ça sent le désespoir. Ils font juste s'épuiser. Mec, ta blonde comme capitaine, c'est un désastre. Let's go, Laurent, on t'attend. Oui. Hey. Hey, ça brise le cœur. Tu le vois pas qu'ils sont rendus au troisième sous-sol? C'est juste pas humain de refuser de les aider, Michael. Dali m'a demandé de la traiter en égale. C'est ce
Qu'est-ce que je dois faire? C'est ce qu'elle t'a dit, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'elle pense? Réfléchis un peu, Michael. Si on les plante, là, va t'en vouloir pareil. Tu le sais. Ce que je sais, c'est que t'es pas exactement l'expert en relation de couple, OK? Fait que laisse faire. Mais finalement, c'était... J'en entends pas me faire un commentaire parce que ça va aller mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est tordu le cheveu. Ça va, t'es-tu correct? Mais je sais-tu, moi. Viens, abeille. Ah, ils ont plus de gardien de vue. Ah non, ça a l'air que non, hein. Les pauvres d'Ali, ça va vraiment mal, ces affaires. Je suis venu voir comment t'allais. Est arrivé à Chouille de Rose. Ouais. C'est sûr que c'était pas l'idée du siècle de leur faire faire un autre entraînement. Quel? Je pense que je suis déjà au courant. OK? Qui vous allez mettre dans les buts maintenant qu'on se peut plus jouer? C'est pas. Émilie, peut-être? Ah oui, y a pas une autre solution. Ah, pas là, non. J'ai toujours trouvé ça con de faire jouer les filles contre les gars. Puis je te promets, le jury d'elle. Une fois que ça va être fini, là, on n'en parlera plus, puis je vais pas me moquer de vous. C'est gentil de ta part. Si personne aime ça se faire tartiner des fêtes dans la face. Pardon? On dirait que le match est déjà joué pour toi. Dali, déjà que c'était un gros défi au départ, sans Rose, c'est comme si vous alliez à l'abattoir. J'ai quand même hâte que tout soit fini puis que les choses reviennent à normal. Ouais. Oh. J'ai tellement hâte de voir la face de Samuel quand il va croire que je peux pas jouer. Oh, il se pourra plus. Quand je lui ai dit que c'est Émilie qui va me remplacer dans les buts. Oh. Je peux entrer? Oui. Mon Dieu, on vous entend rire jusqu'à dans le hall. Je comprends bien, Dali a réussi à motiver les troupes, finalement. On peut dire ça, oui. On est gonflés à bloc. Je vois ça. Bon, ben, est-ce que tu veux que je te raccompagne chez toi? Ça va avoir l'air. Oui. Qu'est-ce qui va avoir l'air plus vrai? Rien, rien. Notre bonne humeur. Oui, c'est ça. On est vraiment de bonne humeur. Au tournage de Tactique, visitez le site. Vous dites chanteur engagé, vous le dites fièrement, vous êtes un fan de U2. Oui. Moi, je trouvais que U2, c'était bien avant que Bono devienne un prédicateur. À toutes les cinq minutes, Bono, là, c'est l'apartheid, c'est Martin Luther King, c'est la pauvreté. C'est... Au moment donné, on dit ferme ta gueule puis chante des chansons. Là, je viens ici pour des bonnes tunes. Mais allez voir le concert de U2 et dites ça, mais je ne m'assierai pas à côté de vous parce que ça me fait chier ce que vous dites, quoi. Voilà, tout simplement. Les Francs-Tireurs, mercredi 20h à Télé-Québec. Une peau irrésistiblement douce durant 24 heures. La lotion douce régénératrice de Nivea enrichie de beurre de karité. Sa texture légère est unique. Parce que la beauté, c'est prendre soin de soi. Participez au concours Porte ouverte sur Dubaï à Nivea.ca. Avec le nouveau Go 360 Clean, le premier nettoyant profondeur avec scrublette de L'Oréal qui désincruste pore par pore. Retirez, versez et nettoyez. Pour une peau magnifique. Nouveau Go 360 Clean de L'Oréal. Frito-Lay offre de nouveaux formats multipack. Mais saviez-vous qu'ils sont parfaits pour toutes les occasions? Lors d'un pique-nique romantique? Pendant une courte pause au banc des joueurs? Ou encore lorsqu'on taquine la truite. Les nouveaux formats multipack de Frito-Lay en paquet.
paquets de 6 et de 18 pour toutes les occasions. À la demande générale, le burger Angus fondu suisse et champignons de Harvey's est de retour. Un tiers de livre de bœuf Angus grillé sur le feu, rehaussé de vrais fromages suisses, de champignons frais sautés de chez nous et garni de... laitue, oignon, tomate. Oui, laitue, oignon, tomate. Ah, c'est comme ça que tu l'aimes. Prépare-toi à moussiment. J'adore quand ça se produit. Chez Harvey's, on a un burger Angus à votre image. Harvey's, t'as du goût. À Tactique demain. Non seulement je peux pas aller jouer le match goffé, mais en plus, j'étais la seule à y croire vraiment. Les filles sont tellement sûres de perdre, c'est pathétique. Oui, mais ils ont raison. Tactique, en semaine 18h30 ou midi.